Mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Je vous assure, il y a des innocents versés à Nubel et à Konengi. Quand on dit souvent ça, certains pensent que c'est la blague. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue hier dans mon quartier. Hier, je suis arrivé ici au bureau. J'ai oublié quelque chose dans, à la maison. Je suis rentré vers 11h. Normalement, je devais faire la vidéo aussi depuis hier. J'ai dit, je dois faire une vidéo pareille pour sauver certaines personnes. J'arrive donc au quartier, je vois la foule. Je me rapproche, je dis, mais et à quoi ici? On n'a pas encore vu un truc de ce genre au quartier parce que c'est un quartier qui est un peu calme, qui est encore calme. On ne connaît pas trop les agressions, les vols, le vol. On me raconte dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est donc passé? Puisque j'ai un voisin qui fait la sauvette, ils sont très tôt, il part à mon colo, il fait ses achats, il passe se débrouiller. En retard, quand il est parti au boulot, sa femme est restée aussi aller au marché. Comme ils sont aussi parfois négligents, les gars ne ferment même pas leur chambre, ils ne ferment même pas la maison, ils ont laissé les deux petits-enfants, 7 ans et 5 ans à la maison. Voilà qu'un jeune débarque et dit que c'est leur père qui les a envoyés prendre quelque chose dans la chambre. Le petit garçon de 7 ans dit que non, papa ne nous a pas dit que quelqu'un devait venir prendre quelque chose ici, tu ne peux pas entrer dans notre chambre. Le gars est intimidé dans les enfants et les mères disent « Sortez !» Voilà donc que les deux sont sortis, celui de 5 ans est resté à la véranda. Le petit de 7 ans, un génie, il court rapidement dans un chantier, pas loin aussi. Il alerte les gars qu'il y a un tonton qui est entré dans notre maison. Il dit que c'est papa qui l'a envoyé prendre quelque chose dans la chambre. Je ne connais pas le tonton là. C'est comme ça que les gars débarquent. Plus de 5 gars au chantier débarquent dans la maison. On trouve le gars, il a soulevé les matelas. Il a déjà, il a encore fouillé partout dans la chambre. On dit, Joe, tu fais quoi là-bas? Il commence à sortir les yeux. Tu fais quoi? C'est comme ça qu'on a su que c'était un bandit. Les gars ont commencé à molester donc le bandit jusqu'au carrefour. Quand on arrive au carrefour, c'est où le massacre commence alors. On arrive donc au carrefour, dans la foule, comme on était en train de taper le gars, il avait les bosses partout, partout, partout. Les gens commencent à lui demander, mais tu sors d'où? Tu fais quoi ici? Le gars a levé lui sa tête comme ça. Il a pointé donc un papa. Que voilà le papa qui m'a envoyé voler dans la maison là. Tout le monde grisement. Tu dis quoi? Il dit que voilà le papa là. Je suis avec lui. Ou le gars dit qu'il vivait. Ou on m'a dit qu'il a dit qu'il vivait dans quel quartier. Donc au moins, dans un quartier très lointain. Donc très loin. Il est très loin de notre quartier. Il dit que voici le papa qui m'a envoyé dans la maison là. Celui qui m'a montré, m'a présenté à la maison. Il m'a indiqué où est la chambre. Où je dois entrer prendre l'argent. Vous savez quel papa est le gars a pointé? Le chef du quartier. Le gars présente comme ça. Le chef du quartier. On dit que tu dis que c'est le papa. Il dit que tapez bien le papa là, il va vous dire la vérité. C'est lui qui m'envoie. Même quand il sort ses yeux, il fait comme si il ne me connaît pas. Nous sommes ensemble. Le chef, notre chef du quartier. Il pointe le chef du quartier. Que c'est lui. Imaginons un instant que c'était un passant. Qui est aussi venu vivre la scène. Il pointe directement le passant là que je suis avec lui. On peut vous tuer ou vous pouvez vous retrouver comme ça en prison sans rien connaître. Quand on dit au bandit là que tu sais le monsieur que tu pointes là que je ne le connais pas comment. On travaille depuis 2 ans. Maman derrière Adama. On le met, c'est le chef de quartier. Ils sont encore les yeux. Ils reposent encore les yeux. C'est le chef de quartier. Il demande encore si c'est... Donc il repose encore lui-même la question à savoir si c'est le chef du quartier. Mais on dit que mais tu as dit que vous travaillez ensemble, non? Il reste encore comme ça. Ah, imaginez un peu la bastonnade, les amis. Donc, je raconte cette histoire juste pour faire comprendre à certaines personnes que méfiez-vous. Vous pouvez vous retrouver à un mauvais endroit, au mauvais moment, et vous perdez votre vie. Méfiez-vous souvent quand vous entendez qu'on a attrapé un bandit quelque part, vous courez pour aller voir le bandit. Tu peux courir pour aller voir quel est le bandit, qui est le bandit. Le gars arrive, il te pointe que vous travaillez ensemble. Comme personne ne te connaît, tu peux te retrouver au carrefour de si je savais. Pour rien, parce que tu partais aussi seulement voir. Que tu ne connais même pas l'histoire, tu partais aussi voir, tu peux te retrouver loin. Méfiez-vous. Donc, quand vous voyez souvent, parfois même la bagarre, ne vous arrêtez même pas. Parce que vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants. Vous ne connaissez même pas comment ça a commencé. Vous ne connaissez...
pâté, sauf si tu remarques ta personne qui bagarre. Mais si tu ne remarques pas, ne t'arrête pas pour voir. Parce que si on vient rafler là, si on dit qu'on veut rafler tout le monde, imagine, on te rafle, tu peux arriver là-bas devant. Et quand tu as raflé, quand on entre en cellule là-bas, si tu as un mauvais dossier, tu peux te retrouver avec un casier judiciaire sale pour rien. Parce que tu voyais juste la bagarre. Méfiez-vous, les amis. J'espère que vous avez retenu la leçon. Hein. Parce qu'on vous parle, vous les jeunes, aujourd'hui, quand vous parlez, vous dites non, c'est rien. Je maîtrise. Maîtrisez. Voilà un bandit qui pointe le chef du quartier. Que c'est son collègue, c'est son ami. Que c'est même son boss, le chef du quartier. Que tout le monde connaît le comportement du chef du quartier. Notre chef du quartier, notre bon chef. Il le pointe que c'est son père. Adama, vous comprenez donc que quelqu'un peut se retrouver en prison, à Nouvelle, à Konengi comme ça, sans rien connaître. Faites gaffe. C'était Eugénal Franco. Ciao. Pour ceux qui ont besoin des appartements, qui arrivent à Yaoundé, qui ont besoin des appartements, écoutez ceci. Si quelqu'un arrive à Yaoundé et qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté de Colbison. Dans cette cité, à 1,5 km du carrefour Colbison sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc si quelqu'un arrive, donc si un bengiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassure. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.